toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. Toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi je ne peux rien, sans toi je ne suis rien. Je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. C'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi je ne peux rien, sans toi je ne suis rien. Je ne pourrais vivre sans toi, mais ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Ma foi, je ne pourrais vivre sans toi, je ne compte que sur toi, mon bonheur se trouve en toi, toi qui soutiens ma foi. Seigneur Jésus, je me vois toujours au-dessus de tout le monde. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, éternel notre Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. À moi la colère, Seigneur Jésus. Si je me mets en colère, Seigneur Jésus, je détruis tout, Seigneur, même des bonnes relations. Les gens fuient, Seigneur, à cause des choses qui sont en moi, Seigneur Jésus. Je peux dire, éternel notre Dieu, Seigneur, qui me délivrera? Ce sont des choses, Seigneur, ce sont des choses, éternel nous dit, de déchirer nos cœurs. Déchirer nos cœurs. Maman, papa, c'est la chose, le problème de cœur. Ce n'est pas le problème des habits, ce n'est pas le problème de la chair, mais c'est le problème de cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que tu médites pour les autres? Qu'est-ce que moi, je médite pour les autres? Qu'est-ce que moi, je fais pour mon mari? Qu'est-ce que moi, je fais pour mes enfants? Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi, pour les péchés que j'ai commis. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi, pour les péchés que j'ai commis. Aie pitié de moi, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, pour les péchés que j'ai commis, pardonne-moi. Pardonnez-moi, Yahweh, pardonnez-moi, Jésus, pardonnez-moi, pour les péchés que j'ai commis. Maman, ne te retiens pas, la Bible est claire, la main de l'Éternel n'est pas courte pour te sauver, pour te délivrer. Il n'y a que nos iniquités, il n'y a que nos péchés. Nous servons un Dieu trois fois saint. Seigneur, qu'est-ce qui est à moi, Éternel, notre Dieu?
Seigneur, pardonne-moi, comme un proverbe dit, quand je parle, je veux seulement que moi-même je puisse parler, je ne veux pas écouter les gens, je parle comme une folle, la Bible dit. Seigneur, aie pitié de moi, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, éternel notre Dieu. Seigneur, aie compassion, mon Dieu. Quand je parle dans ma bouche, Seigneur, ça crée toujours les confusions, les dégâts avec les autres, Seigneur. Qu'est-ce qui est en moi, éternel notre Dieu? Pardonne, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. La nuit, je ne dors pas, Seigneur Jésus. La nuit, Seigneur, je me retrouve de lieu en lieu, Seigneur Jésus. Seigneur, aie pitié de moi. Qu'est-ce qui a été fait dans ma vie? Qu'est-ce que moi-même j'avais fait, Seigneur Jésus, qui m'a amené dans l'autel satanique, qui m'a amené sous l'eau. Oh Jésus, 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 aie pitié de moi. Jésus, aie compassion, Seigneur Jésus, aie pitié. La nuit, quand les gens dorment, Seigneur, moi je me retrouve toujours en train de préparer, Seigneur, de travailler la nuit sans salaire. Seigneur, je travaille pour les démons. On ne me paye pas la nuit, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as dit de travailler la journée. Moi, dans mes rêves, je travaille. La journée, je travaille. Jésus qui me délivrera. Oh Jésus, qu'est-ce que j'avais fait, Seigneur? Oh Jésus, l'état de ton cœur. Seigneur, aie pitié de nous. Maman, prie, déchire ton cœur. Déchire, juste ce cry upon the Lord. What is in your heart? Unforgiveness, lying tongue. Father, have mercy on us, Lord Jesus. Father, aie pitié de nous. Father, aie compassion. Demande la miséricorde de Dieu. Seigneur, ces choses, Seigneur, c'est très fort que moi, Seigneur. Je viens à toi. Je ne veux pas fuir, Seigneur, de ta présence, mais je les ramène, Seigneur, à tes pieds. Jésus, aie pitié de moi. Comme la femme samaritaine, j'étais à tes pieds. La signe de repentance, prier, crier pour ce péché. Maman, il n'y a que le péché qui nous sépare de notre Dieu. Quel est ce péché-là qui veut te séparer de ton Dieu, qui veut te séparer de la bénédiction de Dieu, qui veut te séparer de notre Dieu? Seigneur, aie pitié de nous. Même ceux qui nous suivent en ligne, même ceux qui nous suivent en ligne, demande la miséricorde de Dieu, demande la miséricorde de Dieu, demande le pardon de Dieu, même pour nos bien-aimés qui sont en cours de route en train de venir dans ce lieu. Que l'éternel de Dieu Tout-Puissant ait compassion de Seigneur. Oh Yahweh, qui nous délivrera, Yahweh? Chaque nuit, Seigneur Jésus, à cause de la colère, à cause des manques de pardon, je me retrouve avec ces maris spirituels qui avaient marié les gens depuis mes ancêtres. Aujourd'hui, il est dans ma maison. Il ne veut pas nous libérer à cause de cette chose-là. Oh, quelle est cette chose dans ton cœur qui veut te séparer de ton Dieu? Joël a dit, déchire ton cœur, déchire ton cœur, déchire ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur, maman, papa? Tu veux garder la chose là pour que ça puisse devenir un poison qui va te détruire et qui va détruire tes enfants et qui va détruire ta projet. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce que tu avais fait? Il t'a amené dans cette situation là où il n'y a pas la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Seigneur, aie pitié de nous. Oh Jésus, 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 aie pitié, pitié, Seigneur, le cœur dur, Seigneur Jésus, Jésus, aie compassion de la mensonge, la masturbation est là, Seigneur, la masturbation, le porno, Seigneur Jésus, quand les gens dorment, Seigneur Jésus, je suis dans la pornographie, je suis dans la masturbation, je peux prendre, Seigneur, 2 heures, les gens croient que je suis en train de me laver. Oh, je suis en train de me masturber dans la toilette. Eh, hey, Jésus, aie pitié de nous, Yahweh. Aie compassion. Quand les gens dorment, ils croient que toi, tu es en train de dormir. Oh, tu es en train de regarder les pornos, les pornographies dans nos téléphones. Jésus, aie pitié de nous, Yahweh. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié de mon mari. Yahweh, qui nous délivrera? Déchirons nos cœurs. Seigneur, dans nos cœurs, il y a les meurtres, dans nos cœurs, il y a le cœur, Seigneur, il y a, Seigneur Jésus,
Des serpents, Seigneur, l'esprit, Seigneur, de méditation, Seigneur, mauvaise contre les autres. Seigneur, aie pitié de nous. Papa, aie compassion. Toi, tu penses toujours mal de gens. Tu penses toujours mal de gens. Tu penses toujours mal de ceux qui nous comptent. Tu penses toujours mal. Seigneur, qui va nous délivrer, Seigneur Jésus? Qui va nous délivrer, Seigneur? Toi, tu connais tout. Si tu arrives partout, oh Seigneur, je vois que je connais tout, Seigneur. Il n'y a que moi qui connais tout, Seigneur. Il n'y a que moi qui parle bien. Il n'y a que moi qui travaille bien. Oh Jésus, il y a les moi, Seigneur, qui me délivrera. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur Jésus. J'ai oublié, Seigneur. Je suis arrivé dans ce lieu. J'ai oublié mon problème. Je suis arrivé, Seigneur, entré dans des problèmes d'autres personnes. Jésus, j'ai oublié, Seigneur, ma délivrance. Qui me délivrera, Yahweh? Jésus, déchire nos cœurs. Déchirons nos cœurs, les problèmes sont dans nos cœurs, les problèmes sont dans nos cœurs. Que l'Éternel ait pitié de nous, que l'Éternel ait compassion, que l'Éternel nous pardonne et pardonne nos maris, le membre de ces sièges qui sont dans le péché. Ils cherchent à abandonner, ces péchés sont devenus très forts. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne-le, mon Dieu, mon roi, là où ils sont, Seigneur Jésus, dans la prostitution, Seigneur, dans l'ivronnerie, Yahweh, Seigneur, dans des désordres, mon Dieu, mon roi, localise-les, Seigneur, dans ta miséricorde, ne les rejette pas, papa, ne les rejette pas, merci, Seigneur Jésus. Nous acclamons le Seigneur pour le pardon. Acclame le Seigneur qui t'a pardonné. Soyez dans la joie si tu as bien donné, Seigneur, à Jésus-Christ. Dis, Seigneur, je t'acclame pour le pardon. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth, nous allons demander les sons de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je vais lire la parole. C'est que Jean. Le lendemain, je lis la parole de Dieu dans Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen, amen. Voici l'agneau de Dieu. Quel que soit l'état de ton péché, comme tu as demandé pardon, nous allons demander que l'agneau de Dieu, avec son sang, qui vienne nous purifier, qui vienne nous sanctifier, dans le nom puissant de Jésus, demande la puissance du sang de Jésus. Maman, c'est moi, nous célébrons le ressuscité, notre roi des rois, celui qui avait donné sa vie en race. Là, c'est lui-là, il avait accepté de prendre ton péché. Demande le sang de Jésus, puisse te purifier, puisse te sanctifier. Le péché là que toi tu sens que c'est dur d'abandonner, mais avec mon Jésus, avec le Jésus de maman et papa Olangi, avec le Jésus des enfants d'Olangi, ce Dieu-là est capable, ce Jésus-là, il est capable de ôter, Seigneur, ce péché-là. Il est capable de ôter ce péché dans ta vie. Quel est ce problème? Ce péché-là, demande Seigneur que ton sang purifie et sanctifie. Seigneur, ton sang me libère de l'esprit, Seigneur Jésus, l'esprit, Seigneur, de la masturbation, l'esprit de la colère, l'esprit des mensonges, l'esprit, Seigneur Jésus, des médisances et des critiques. Je critique même les gens qu'il ne faut pas critiquer. Que ton sang, Seigneur, puisse me purifier. Demande le sang de Jésus. Humilions-nous devant la face de Dieu. Montre-toi devant Jésus que tu es incapable. Montre-toi devant Jésus, que tu es incapable. Dis, Seigneur, ce péché m'a tourmenté depuis des années et des années. Je cherche à l'abandonner, mais je n'arrive pas à abandonner. Mais la Bible dit que c'est toi, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché. Viens dans ma vie, ôte ce péché-là, Seigneur, qui m'amène chaque fois le mari spirituel, qui m'amène chaque fois les femmes spirituelles, qui m'amène chaque fois, Seigneur, dans des travaux nocturnes, qui m'amène toujours de travailler dans des toilettes la nuit, qui m'amène toujours de prison en prison. Seigneur, que ton sang, que ton sang me libère. Nous demandons le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans nos vies. Le sang de Jésus dans la vie de nos enfants. Nous, maman, papa, c'est le temps de le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse te purifier. Son sang coulé pour moi. Son sang coulé. Son sang coulé pour moi.
sans ça coule. Demande le sang de Jésus si tu as la confusion. Si tu crées toujours la confusion, si tu crées toujours des problèmes, là où tu es, tu crées toujours les problèmes. Là où tu te présentes, les gens te rejettent. Tu ne sais pas pourquoi les gens te rejettent. Parce que peut-être ils voient en toi, il y a la racine de serpent, il y a la racine de sirène. Dis Seigneur Jésus par ton sang, ôte en moi Seigneur la racine de sirène, la racine Seigneur de serpent qui permet que les gens me rejettent, qui permet que les hommes me rejettent, qui permet que Seigneur les femmes me rejettent. Demande la puissance, il y a que le sang de Jésus, il y a que le sang de Jésus. Jean savait, il a dit voici, il nous a présenté Jésus, il nous a présenté Jésus dans nos situations là, dans le péché là qui nous bloque, dans le péché là qui nous retarde. Demande le sang de Jésus, le sang de l'agneau, son sang a coulé pour toi, son sang a coulé pour moi. Jesus, don't look at around. Ask upon the blood of Jesus Christ. The blood of Jesus, call upon the blood of Jesus. John the Baptist said, look, the Lamb of God, the one that removes sin. What is sin in your life, in your heart? You always ask the problem that was already passed long time ago, but you keep it in your heart. Look at your dream. You find yourself in the dream. Every day you are eating in the dream. Every day you are dancing in the dream. Every day you are flying in the dream. Call upon the blood of Jesus to remove the power of sin that make you to fly. To remove the power of sin that make you to eat in the dream. To remove the power of sin that make you to swim in the dream. To remove the power of sin that make you always to have anger. You don't want to forgive at all. Dear God, I need your mercy upon my life. Let you remove the power of sin in my life. Remove the power of sin in our family. Look at upon your family. Dear Lord Jesus, I need your mercy. Let you remove the power of sin in me. Let the blood of the Lamb wash my spiritual body. Call upon the blood of Jesus Christ to wash your spiritual body. When your spirit fly, you fly with everything the Bible says. In reality, c'est l'esprit. En réalité, c'est l'esprit. Quand tu voyages la nuit, ça part avec toutes choses. Dis Seigneur par ton sang, sauve-moi Seigneur avec la puissance Seigneur de la sorcellerie qui me fait voyager Seigneur. Je suis aux États-Unis, chaque nuit je suis en Afrique, chaque nuit Seigneur je suis en Afrique. Seigneur Jésus, délivre-moi par ton sang, délivre-moi par ton sang, délivre-moi par ton sang, que ton sang me libère Seigneur. Je suis, comment je peux être ici aux États-Unis et aller en Afrique? Seigneur, qui paye le billet pour moi? Seigneur, qui paye le billet pour moi? Qui me donne le visa là, Seigneur? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Dis Seigneur, par ton sang, délivre-moi, Seigneur. Par ton sang, sauve-moi, Seigneur. Par ton sang, délivre-moi, Seigneur. Par ton sang, sauve-moi. Jesus, call upon the blood of Jesus Christ. The blood of Jesus in your spirit, soul, and body. The blood of Jesus Christ. The blood of the Lamb. The blood of Jesus Christ. Upon your life. Upon your family. In Jesus' mighty name. The blood of Jesus Christ. Amen, 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 amen. Nous acclamons le Seigneur pour le sang de Jésus. Le sang qui a été coulé pour toi. Le sang qui a été coulé pour ta vie. Le sang qui a été coulé pour ta famille. Pour ta destinée. Pour ton travail. Pour tout ce que tu cherches. Le sang là est capable. Acclame pour le sang de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Jesus say wherever you are, can you stand? Can you stand in the presence of the Lord? You are before the King of Kings. When you are before the King of Kings, you have to submit in his presence. You have to honor him because he's the one that you have a key of your life. He's the one that you have a power to raise you, have a power to bring you down. That's his name, Jesus Christ. Jesus Christ of Nazareth. Acclame le Seigneur de Seigneur. Nous allons. Amen, amen. Nous allons demander le son du Saint-Esprit de Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu me dit et te dit. Toi qui as bien répondu, toi qui as bien demandé le son de Jésus, maintenant il te dit, écoute ce que le Seigneur te dit dans Galates 5, verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit
Jésus vient nous aider à marcher selon l'esprit de Jésus, non pas l'esprit de l'homme, non pas selon l'esprit de nos ancêtres, mais l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour combattre ces maris de nuit, c'est un esprit, tu as besoin de l'esprit de Jésus. Pour combattre l'esprit-là qui t'amène à voyager en Afrique, tu ne peux pas le combattre seul. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous allons demander la puissance du Saint-Esprit de nous remplir, dans le nom puissant de Jésus. Call upon the Spirit of the Most High God. Jesus said, we are calling upon the Spirit of the Most High God. Can you stand before the Spirit of the Most High God? Say, the Spirit of God, the Spirit of the Most High God, come upon my life. Fill me. Any emptiness in my life, fill me with your power. Any emptiness in my destiny, fill it with your power. I need your power, Lord Jesus, to stand against the kingdom of darkness, to stand against the principality on this land. I need the power of the Holy Ghost. Fill me with your fire. Fill me with your power in the name of, so you can walk according to the Spirit of the Most High God. You need a help. You need a help. You cannot do it yourself. That spirit, it was before your parents. It was before your grandparents. You need a spirit that was, that is, and used to come, the Spirit of the Most High God. Demande la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Papa, maman, demande la puissance. Si tu as difficulté de pardonner, demande l'Esprit de Jésus. Jésus-Christ est devant la croix. Il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire avec cette douleur-là. Mais Jésus-Christ a accepté de pardonner. Dit, Seigneur Jésus, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je ne pardonne pas. Seigneur, donne-moi ton Esprit, aide-moi, cher Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je n'arrive pas à aimer, Seigneur. Je fais semblant d'aimer les gens à cause, Seigneur, de la passé. Seigneur, avec ton Esprit, aide-moi. Demande la puissance du Saint-Esprit. Demande la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de cette force-là. Toi, tu es déjà fatigué. Tu es au Congo, tu priais normalement. Là où tu étais avant d'arriver ici, tu priais bien, tu étais zélé. Arrivé aux États-Unis, tu es fatigué. Qui t'a fait fatiguer? Qui t'a retardé? Qui t'a fait asseoir? Demande la puissance du Saint-Esprit de Dieu de te donner la force de continuer la course. Alléluia, maman. Alléluia. Demande le Saint-Esprit de Dieu. Demande la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tu aimais lire la parole de Dieu. Maintenant, tu ne peux pas lire la parole de Dieu. Si tu essayes, tu te retrouves déjà sur le lit. Qui t'a emprisonné? Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Demande la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Dis, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Regarde ma faiblesse. Je ne peux pas faire ça sans toi. Viens m'aider, cher Saint-Esprit. Viens m'aider, Seigneur. Je suis fatigué, je suis découragé. Donne-moi la force, cher Saint-Esprit, pour vivre selon l'Esprit de Jésus, pour vivre selon l'Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Demande la puissance du Saint. Nous demandons la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Nous demandons la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Si tu n'as pas de fruits du Saint-Esprit, dis, cher Saint-Esprit, remplis-moi de la joie. Je n'ai pas la paix, cher Saint-Esprit. Quand les gens dorment, Seigneur, quand si je pense, Seigneur, à ces problèmes, la paix, Seigneur, me quitte, Yahweh. Seigneur Jésus, l'amour est parti, Seigneur. Je n'ai pas la patience, Seigneur, je dis. À moi, la patience est parti, Seigneur Jésus. Viens, cher Saint-Esprit, me remplir. Cher Saint-Esprit de Dieu, et je n'ai pas, Seigneur, à moi la fidélité, Seigneur Jésus. Je n'ai plus la douceur, la tempérance, Seigneur. Viens m'aider, cher Saint-Esprit. Je vais montrer tes fruits, Seigneur, partout où je suis en train d'aller. Mais, Seigneur, à moi, j'ai besoin de ton Esprit Saint. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous acclamons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Le Saint-Esprit qui donne la joie. Le Saint-Esprit qui donne la paix. Le Saint-Esprit qui donne la joie. Le Saint-Esprit qui enseigne comment aimer. Comment aimer les gens. Le Saint-Esprit qui enseigne comment pardonner, racasser. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, the power of the Holy Ghost. The Bible said the power of the Holy Ghost how come upon you. You shall receive power, Jesus said. This is the time. You shall receive power. The power of the Most High God who
come upon you and you'll be the witness of the Most High God. Hallelujah. Call upon the Holy Spirit. L'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus acclame. Ne t'arrête pas d'acclamer l'Esprit de Jésus, car il est au milieu de nous. J'aime l'homme de Galilée. L'homme de Galilée dit, je ne vous laisserai pas les orphelins. Avant d'aller, si regarde, je vous donne, restez là-bas pour la puissance du Saint-Esprit. Acclame la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. La puissance du Saint-Esprit qui brise le chêne, qui libère, qui ramène, qui donne, Seigneur, la résidence dans ce pays, qui donne les green cards dans ce pays, qui donne les mariages, la puissance du Saint-Esprit de Dieu, même si tu étais condamné, même si tu étais condamné à ne pas te marier, mais à cause de la puissance du Saint-Esprit, tout est possible. Rakassé, Baba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas vous fatiguer. C'est à cause de ça que nous sommes dans ce monde. Amen, amen. Nous allons prier. Nous allons prier pendant que toi et moi, on était à la maison. Nous ne savons pas ce que l'ennemi a fait pour attaquer l'adoration d'aujourd'hui, pour faire échouer l'adoration d'aujourd'hui. Mais j'aime Jésus. J'aime l'homme de Galilée. Nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Il faut être fier de ce Dieu-là. Là où tu acclames Dieu pour toi-même. Dis, je suis fier de mon Jésus. Je suis fier de l'homme de Galilée. Je suis fier de mon Jésus. Car il est capable. Il est capable. Ma situation n'est pas grande que son nom. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. J'aime le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jesus, I love you. Jesus, Jesus love you more. Amen, amen, amen. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 8, verset 10. La parole de Dieu nous dit, formez des projets, ils seront anéantis. Ils ont formé des projets la nuit. Mais maintenant là, nous anéantissons. Parce que nous avons là le pouvoir et nous sommes dans la victoire. Amen, amen. C'est ce que la parole de Dieu. Et donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Alléluia! Dieu est avec nous, maman. Ne sois pas triste. Dieu est avec nous. Nous allons prier au nom de Jésus. Et en Luc 4, il a dit, je vous ai donné l'autorité. He didn't borrow you, but he said, I gave to you. I paid you. Donc, à déficioté, mais à pécio, je vous ai donné l'autorité. C'est ça, il faut être fier de notre Dieu. C'est pour cela, là, dans cette autorité, nous allons détruire ce qu'on a fait contre notre adoration pour amener la somnolence, la distraction, divagation des pensées, que les gens ne viennent pas adorer Dieu. C'est soit nous allons prier dans le nom puissant de Jésus. Dis Seigneur Jésus-Christ avec nos mains prises. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, par ma propre volonté, avec l'aide du Saint-Esprit, je viens m'élever contre les complots des mondes des ténèbres. Ce qui a été fait la nuit, même la journée, contre l'adoration, je viens m'élever contre toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, soyez renversés dans les noms puissants avec nos mains. Renverse ce que l'ennemi a fait la nuit contre l'adoration. Renverse ça. S'ils ont jeté des problèmes, s'ils ont jeté la lourdeur, s'ils ont jeté la maladie, s'ils ont jeté la distraction, la divination, la somnolence parmi nous, commence à détruire dans les noms puissants de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, détruisez-les ceux qui sont venus la nuit pour faire des réunions, pour faire les réunions, pour nous attaquer. Quand nous prions pour l'adoration, l'adoration c'est toi, l'adoration c'est moi, et ceux qui viennent aussi commencent à renverser. Ceux qui ont été ici la nuit, ils ont parlé, il a dit que pour le cas de celle-là, elle n'aura pas le mariage, elle n'aura pas les papiers, elle n'aura pas ça pour le faire fuir. Nous allons seulement continuer à torturer ses enfants, commence à annuler, nous allons seulement continuer à torturer son mari, commence à annuler pour te faire fuir dans ce lieu, commence à renverser, commence à détruire ce qu'ils ont jeté, que se jeter la maladie pour nous torturer, commence à renverser, commence à détruire.
têture dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom, ne dis pas que maman, j'avais prié hier. Aujourd'hui, c'était un autre jour. Commence à renverser, commence à détruire dans le nom puissant de Jésus. Ils sont venus ici la nuit. Ils ont dit que non, pour le problème de cette maman, la maladie de cette maman, elle va rester seulement comme ça, maladie. Dis non au nom de Jésus. J'ai dit non au nom de Jésus. Commence à renverser, commence à détruire, commence à détruire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Renverse, 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 renverse leurs hôtels, renverse leurs hôtels. Ceux qu'ils ont créés la nuit, les hôtels sataniques, occultiques, magiques, sorcellerie. Ceux qui ont de nos familles qui travaillent avec la sorcellerie de ces lieux, nous allons les renverser, nous allons les détruire dans le nom puissant de Jésus. Ceux qu'ils ont jeté, Seigneur, des charmes, deux ou trois de charmes, magic charmes, occultiques charmes, sataniques charmes, around you near this place, to touch your mind, to touch your family. Jesus says, stand against them. I stand against them. Do no, no more again. You no more gonna torture. You no more gonna torture me. You no more gonna use me. In the name of Jesus, I destroy you. I separate you. In the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom de Jésus, maman, priez, il ne faut pas murmurer. C'est le combat. Devant ton ennemi, tu ne peux pas combattre comme ça. Devant ton ennemi, tu ne peux pas murmurer. Ils sont venus la nuit en forme de serpents, en forme, Seigneur, des hommes sans la tête pour couper la tête de nos enfants, pour couper la tête de nos maris. Tu vois que l'enfant, tu vois que dans la maison, les choses ne marchent pas. Ils sont venus la nuit avec les têtes coupées, avec les serpents pour nous envoûter. Commence à renverser, commence à détruire contre cette adoration. Dans le nom puissant de Jésus, détruisez leur programme, détruisez leur programme dans le nom puissant de Jésus. Ce qu'ils avaient formé la nuit, ce qu'ils avaient parlé, ils avaient fait les incantations. Commence à détruire leurs incantations. Commence à détruire leurs incantations. Dis avec Jésus, cela n'arrivera pas, sera sans effet dans le nom puissant de Jésus. Maman, ce n'est pas comme ça qu'on prie. Ce n'est pas comme ça qu'on prie devant l'ennemi. Ce n'est pas comme ça qu'on prie devant l'ennemi. L'ennemi là était venu la nuit pendant que toi et moi on était en train de dormir. Ils ont jeté des choses, ils ont parlé, commence à renverser, commence à détruire dans le nom puissant de Jésus. Tu ne comprends pas quand tu viens, tu rentres à la maison, le même problème augmente. Dis Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant demander le feu de Dieu. Dans les quatre coins de cette salle, nous allons invoquer le feu de Dieu pour brûler et consumer. C'est même s'il avait jeté des fétiches, même s'il avait jeté des maladies, même s'il avait jeté des problèmes, pour que pendant la prière ou pendant la modération ou pendant la prédication, toi tu commences. Quand toi tu dors seulement quand on prêche, le moment de la prédication, tu dors. Demande le feu de Dieu. Le feu de Dieu en toi, tout autour de toi, même ta voisine, même ton voisin. Tu ne sais pas ton voisin. Ici, là, on ne connaît pas qui est qui. Demande le feu de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Le feu dans ton esprit corps âme. Le feu dans ton esprit corps. Jesus is called upon the fire of the Holy Ghost. In your spirit, soul and body. In your spirit, soul and body. The fire of God. 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 Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Call upon the spirit. Call upon the fire in your spirit, soul, and body. Your spirit, soul, and body on the chair around you, in your neighbor. Ask for the fire of the Holy Ghost. The fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire. 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 In Jesus' mighty name we pray. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Acclame le Seigneur de Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur. Maintenant, nous allons récupérer. Je ne connais pas ta situation. Ton situation, c'est ton problème, ton fiancé, ton mari, tes enfants. Commence à les récupérer. Demande la restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et couvre ça dans le sang de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Et mets ton bien-aimé qui soit en cours de route en train de venir. Mettez-le dans le sang de Jésus. Qui ne reste pas dans la maison. Dans le nom puissant de Jésus. Prie pour nos bien-aimés. Les sièges, les chaises sont là. Nous avons besoin que nos bien-aimés aussi viennent. Qui viennent écouter la parole de Dieu, que le sang de Jésus met le chemin pour eux, pour venir renseigner dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom, ce que tu as récupéré, si c'est la mémoire de tes enfants, couvre ça dans le sang de Jésus, si c'est le cœur de tes enfants, couvre ça dans le sang de Jésus, si c'est la vie de tes enfants, couvre ça, si c'est ton mari, si c'est ta fiancée,
Couvre et sois dans le sang de Jésus, car notre Dieu est ressuscité pour nous. Notre Dieu est ressuscité pour vous. Dans le nom puissant de Jésus, acclame le Seigneur de Seigneur. Acclame le roi des rois des rois. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le roi des rois. Acclame. Amen, amen, amen. Écoute. Écoute la parole de Dieu, maman, qui va te pousser de bien acclamer le Seigneur. Amen. Écoute ce que Jésus-Christ a dit. Et Jésus-Christ nous dit dans Marc 5, verset 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ s'en tenait compte de ses paroles et dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Maman, tu as laissé ta maison, hein? Tu es venu dans ces lieux, crois seulement. Tu es venu adorer celui-là. Même celui-là, Apocalypse dit, il n'y avait personne sur le ciel, sur la terre, sous la terre, pour ouvrir les livres de ta vie. Il n'y a personne qui a été trouvé digne. Il y avait que Jésus qui a pris la décision, a dit oui, je vais tout laisser pour maman Nicole. Il a dit je vais tout laisser pour papa Christian. Il a dit je vais tout laisser pour maman Rebecca. Mais tu peux mettre ton nom. Quelle est cette situation qui peut t'empêcher d'adorer Dieu? Soyez toujours dans la joie. Nous servons un Dieu puissant. Celui-là, quand il entre dans ta situation, quel que soit l'état de ta situation, quel que soit l'état de ton problème, quel que soit même ton enfant-là est un sorcier, même un sataniste. Mais si Jésus entre dans son cœur, l'histoire change. Quelle que soit la sorcellerie de ta famille, quel que soit l'homme fort qui t'a suivi depuis que tu étais bébé, quand Jésus-Christ entre dans ta vie, l'homme fort-là te quitte. Amen. Car Jésus-Christ est puissant. Il t'a dit, maman, il t'a dit, papa, ne crains pas, crois seulement. Quelle est cette situation qui va t'empêcher à croire à ce Jésus-là? Ce Jésus-là est puissant. Le Dieu de langue est puissant. Moi qui étais sans feu, mais ce Dieu-là m'a donné. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce Dieu-là est capable. Nous servons un Dieu puissant. Connecte-toi à l'onction. Ne dis pas que j'avais prié hier rien n'était. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Un signe de récompense, de reconnaissance devant notre Dieu. Nous allons laisser la chaise à Jésus-Christ et adorer-le. Dis Seigneur Jésus, j'accepte. J'accepte. Toi, Seigneur, il n'y avait personne. Personne sur le ciel, sur la terre, sous la terre, qui était trouvé digne. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, comme on dit dans Apocalypse 5, c'est toi qui étais digne, Seigneur. Je viens t'adorer, Seigneur. Et personne dans le ciel, ni sur la terre. Adore le Seigneur, le Seigneur. Adore le roi des rois. Life, come, I bow my knee before you. You are all two positions before our master. Before our master, we have only two positions. Or you kneel down, or you stand up. Tell him, Lord Jesus, you are the one in heaven. Pour les cabines de l'énergie colorée.
C'est toi qui es mon Père. Alléluia. 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 Oh, il est seul. Shiloh, tu es tout ce que je désire. Jésus. Shiloh, Shiloh, tu es tout ce que je désire. Shiloh, tu es tout ce que je désire.
Put your hands together. Put
put your hands together. If you say praise, praise. Si on dit danse, if you say dance, dance. Maintenant, c'est notre temps. It's our Nous time. Allons louer notre We're Seigneur. Praise our God. C'est lui-là He. Qui a dit, ne crains rien. Ne crains rien. Do not fear. Ne crains rien. Do not fear. Crois seulement. Just believe. Quelle est ta situation? What is your N'est situation? Pas plus grand que notre Seigneur. Do you c'est lui-là. C'est lui-là. Il est capable. He is capable. Nous allons danser pour notre We're Seigneur. Dance for our God. Nous allons danser son nom, s'il vous plaît. Donne-nous un cantique d'adoration de louange à qui est digne de notre Seigneur. Il est digne de notre roi. He is worthy, notre our roi. Our King. Alléluia. Tu es bon. Alléluia. Tu es bon. Come on, you know, let me know. Come on,
beta mulolo kombo yo kombo yo kitoko kitala yemela ye abangoto nyoso awana awana se kiye se jari me kombola kombo yo kombo yo kitoko kitala yemela ye yemela ye abangoto nyoso awana awana se Lolo kombo yo, zambe kitoko, tikala yemela ye, abangoto nyoso awana se, kiyeswe malibe, baluka 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 baluka, kombo mine kizame, kiyeswe malibe, baluka bisoso, baluka talana, kombo mine kiyeswe.
est merveilleux. God is marvelous. Moi, je ne regarde pas les boîtes de nuit. I don't look at the nightclubs. Parce que ici, because here, non seulement que je me réjouis, not only do I rejoice, mais lorsque je le loue, but when I praise him, il descend. Alléluia. Lorsqu'il descend, when he comes down, aimé, beloved, quel que soit le problème, no matter the problem, il essuie mes larmes. Alléluia. C'est pourquoi, and that's why, les boîtes de nuit, the nightclubs, bye bye. Bye. Le Seigneur. I dance in the Lord. Je loue le Seigneur. I praise the Lord. Il est ce qui descend. And when he comes down, il me bénit. He blesses me. Il me bénit. He blesses me. Il me transforme. He transforms me. Oh, il met le sourire. He makes me smile. Sur mon visage. He wipes away my face. Je regarde la Nicole d'hier. If you look at the Nicole yesterday, celle qui se plaignait tout le temps. This girl, the one that complains all the time. Ah, celle qui marchait déception sur déception. Her that walked with deception. Ah, celle-là que les hommes disaient non, je ne veux plus. That men say no, I don't want her. Bien-aimé. My beloved. Avec Jésus. With Jesus. Avec Jésus. With Jesus. Il me donne un homme, hein. He made me a man. Non seulement qu'il sert Dieu. Not only does he serve God. Non seulement qu'il a l'amour. Not only does he love. Compassion pour les hommes de Dieu. And compassion with the man of God. Un homme qui m'aime. But he's a man that loves me. Yeah. He's a man. Il m'honore, hein. Who honors me. Ah, qui peut faire ça. Who makes me like this. Non seulement de moi. Yes, the people make fun of me. Mais aujourd'hui. But today. Je danse pour Jésus. When I dance for Jesus. Avec assurance, hein. With assurance. Je sais. Because I know. Que Dieu là. That God. Ma vie. Has changed my il life. Donné un homme, hein? He gave me a name. Il aime. He gave me a man that loves me. Who loves me, respects me. Yeah. Oh. Yeah. Oh, je l'aime, ce Dieu. I Amen. Elevate that God. Je l'aime bien. I love him well. Alléluia. Amen. En tout cas, ce matin, this morning, cet après-midi, this afternoon, if I may say. Le matin, je n'arrêtais de dire ce matin. The more I can stop saying this morning. L'après-midi. So it's this afternoon. Amen. Hein? Amen. Cet après-midi. This afternoon. Je suis vraiment I am dans la joie. Amen. In joy, amen. Mais but quelque chose something est un peu lourd dans mon cœur. It's been in my heart. Alléluia. Amen. Je pense à ma maman. And I was thinking of my mom. Maman Langi. Maman Langi. Si aujourd'hui moi je tiens le micro, if today I held the c'est elle qui m'a appris. It's because of where she comment taught tenir me. Le micro. She taught me how to hold comment the microphone. Comment parler. How to speak. De Dieu. Of God. Comment parler de la part de Dieu. How to speak of the part of the Lord. Alléluia. Amen. Ah, c'est quelqu'un. It's someone qui a cru en moi. Who believed in me. Et moi, je ne croyais même pas en moi. And I didn't even believe in myself. C'est quelqu'un qui a cru en mon mari. She is someone that believed in my husband. Au moment où nous on pensait que in the time we believed, on était les sans effet. That we were nothing. Un jour, maman Langi m'a dit. And one day, maman Langi told ton mari là. Your husband. Prêcher avec onction. He will preach with anointing. C'est resté dans mon cœur. It remained in my heart. Mais en ce moment là. But at that time. Au début là. In the beginning. Il y avait tellement de combats. There was a lot of battles. Alléluia. Amen. Ne crains pas le combat. Oh. Do not fear the battles. Parce que le combat. Because the battle. C'est pour te rendre fort. It's to make you strong. Si on n'était pas passé par ces moments là. If we didn't go through those hardships. Je crois que après COVID. I believe that after COVID. Peut-être on allait abandonner. Maybe we would abandon. Avec tout ce qu'on a comme difficulté. With everything that we encountered as difficulties. On aurait pu abandonner. We would have probably abandoned it. Mais but le Seigneur nous avait préparé. The Lord has prepared us. À cause de papa et de maman Langi. Because of papa et maman Langi. Ils ont été des modèles, des exemples. They were models, examples for voilà us. Pourquoi je dis que and that's why I say that. Souvent je ne cesse de penser à elle. I was thinking about her. Mais je sais que but I know that elle est dans la gloire du Seigneur. She is in the glory Amen. Of the Lord. Elle a fait un grand travail. She has done a great job. Elle a fait un très grand travail. She Amen. Did a big, great job. Aujourd'hui au repos. And today she is in rest. L'œuvre. From the work. Le travail qu'elle a fait. The work that she has elle done. Passait des nuits blanches she passed white nights pour servir Dieu. Just to serve God. Elle a donné sa vie she gave her life pour les autres. For others. Alléluia. Amen. C'était vraiment un modèle. She was really a model for me. Alléluia. Amen. I miss her very much. I miss her. Quand je pense vraiment, même si Marthe me manque. I even miss her. Alléluia. Amen. Mais but à Dieu toute la gloire. To God all the glory. Amen. Amen. Maman Langi nous a laissé un message. Maman Langi left us a message. Elle a cette femme a cherché Dieu. That woman searched God. Elle a rencontré Dieu. She encountered God. Face à face. Face to face. Aujourd'hui. And today. Bientôt 7 ans. Soon. Mais l'œuvre. Ah oui. Tient toujours. To always hold. Ce qui veut dire. On what was said. Que réellement cette femme. That truly that woman. A cherché Dieu. Has searched God. Elle a trouvé Dieu. And she found God. Elle n'est plus au milieu de nous. She's no longer in the midst of us. Mais le Dieu qu'elle nous a présenté. But the God that she's presented. Est présent. Is present. Actif. Active, et il agit. And he acts. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Put your hands together for the King of Kings. Avant de commencer notre before message, starting our message, je vais chanter. I want to sing. Alléluia. Amen. Et après, and then after, nous allons parler we de can la part talk du Seigneur. From part of the Lord. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Oh, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur.
Je veux te magnifier. I want to magnify you. Te magnifier. Et alors je te verrai. In the end, I shall see. Marana, Maranatha. Marana, Maranatha. Marana, Maranatha. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Je ne suis rien, je ne peux rien, I am nothing, je ne connais I cannot do anything, I don't know anything. Tu as dit, présente-toi, ouvre ta just bouche. Just present yourself and open your je mouth. Je la remplirai. And I'll accomplish it. Remplis ma bouche, Seigneur. Fill my mouth. Cher Saint-Esprit de Dieu, Holy Ghost, toi qui as ramené Jésus d'entre les morts, you that brought Jesus from death, ramène-nous, Seigneur. Bring us out. Cher Saint-Esprit de Dieu, Holy Ghost, tout ce qui était mort en nous, everything that has died in à us, la vie. Bring it to life. Dans le nom puissant de in Jésus. The name of Jesus Christ. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. God is marvelous. Nous avons encore un thème. We also have a theme. Comme vous savez, dans notre ministère, as you know, in our ministry, on nous donne toujours un thème. They always give us a theme que nous développons that we develop tout au long de la semaine. Throughout the week. Et le thème d'aujourd'hui, and the theme of today, nous sommes toujours, we're always in, parce que il y a quelques jours, because it's a few days, nous avons célébré la Pentecôte. Where we will celebrate the Pentecost. Et on nous dit aujourd'hui, and they told us today, que Jésus-Christ, that Jesus Christ, est réellement, is truly, ressuscité. The resurrected. Jésus-Christ, Jesus est réellement, is truly, ressuscité. Resurrected. Alléluia. Amen. Comme Jésus est ressuscité, as Jesus was resurrected, qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie? What can happen in your life? Quelle est la conséquence? What is the consequences? Quels sont les avantages? What are the advantages? Du fait que Jésus, that Jesus, est ressuscité. Has resurrected. Amen. Amen. Nous allons lire. We're going to read. Rapidement, d'abord deux passages. Quickly, two passages. Dans Luc. In Luke. 24. 24. Et verset 37. Verse 36. Et 34, pardon. Et puis nous allons aussi lire. And then we're going to nous read. Nous allons revenir pour we're lire going to come 1 back à 7. To read 1 to 7. Je lis la parole de Dieu dans Luc 24, verset 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et disons, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. La parole du Seigneur. Amen. Amen. That's your theme. Nous allons lire. Now we're going to read. Nous allons revenir. We're going to go back. Toujours Luc 24, still in Luke 24, 1 to 7. Je lis la parole de Dieu dans Luc 24, versets 1 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromantes qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habit resplendissant. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore à Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il soit ressuscité le troisième jour, la parole du Seigneur. Put your hands together strong for the word of God. Bien-aimé, le tombeau est vide. Amen. Bien-aimé, le tombeau est vide. The tomb is empty. Jésus est réellement ressuscité. Jesus is truly resurrected. Jésus n'est plus dans le tombeau. He is no longer in the tomb. Alléluia. Amen. Le tombeau est vide. The tomb is empty. Je voudrais que cet après-midi, I wanted this afternoon, tu réalises you realize que le tombeau est vide. That the tomb is empty. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jesus is no longer in the tomb. Et quand Jésus n'est plus dans le tombeau, and because he ain't in the tomb anymore, it's for an advantage. Alléluia. Amen. Comme Jésus n'est plus dans le tombeau, because Jesus ain't in the tomb, my beloved, c'est pour it's because
your success. It's for your glory. It's for your success. Jesus is no longer in the tomb. The tomb is empty. We have every reason to rejoice because the tomb is empty. The tomb is empty. The tomb is empty. Amen. 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 Nous venons de lire, we just came from reading que that comme Jésus avait déjà promis, as Jesus already promised et Jésus est mort, that Jesus died. Et le matin, in the morning, early in the morning, alleluia, amen, la Bible nous dit, the Bible tells us que Marie, that Mary de Magdala, the Magdalene est allée, has went. Elle avait des aromates avec elle. She had her garments with her, spices with her, amener au sépulcre, to bring to the tomb. Et quand elle arrive, and when she arrived, elle trouve que she found that la pierre a été roulée. The stone was rolled over. La pierre a été roulée. The stone was rolled over. La pierre a été roulée. The stone has been rolled over. My beloved, la pierre, the stone ici, here, pour toi et moi, for you and I, que sont des obstacles. It means obstacles. La pierre, the stone ici pour toi et moi, for you and I, ça veut dire que c'est des difficultés. It signifies difficulties. La pierre, the stone pour toi et moi, for you and I, ça veut dire que c'est des problèmes. It means c'est problems. Des combats. Battles, curse, quelle que soit la situation, no matter the situation, que tu traverses, the difficult that you're going through, pierre. That's the stone. Mais on nous dit, but it's Marie not a trouvé, Murray found la pierre a été roulée, that the stone has been moved this afternoon. Quel que soit le problème, no matter your problem, quel que soit tes combats, no matter your difficulties, quel que soit ta maladie, no matter your quel battle, your sickness, no matter your situation, this afternoon, la pierre a été the stone has been rolled over. Que this ton means problème, that your problem, situation, your situation, no matter what, ta situation est ôtée. Ton problème est ôté. Tes difficultés sont ôtées. Si tu crois seulement, tu vas vivre la gloire de Dieu. Si tu crois cet après-midi que ton problème, que ton combat, que tes difficultés sont ôtées cet après-midi, tu vas vivre la gloire de Dieu. Cet après-midi, crois seulement que tes problèmes, que tes difficultés sont ôtées cet après-midi. Sont ôtées cet après-midi. Le Dieu là, qui n'est plus au tombeau. Aujourd'hui, today, le tombeau est vide parce que ton problème, problem, aujourd'hui, si tu crois, today, believe, si seulement tu as la foi, ton problème death, est ôté. Your problem will ton be problème est ôté. Your problem will be gone. Quand tu sors d'ici, le problème here, que tu avais, ce n'est plus là-haut. No quand it, tu sortiras d'ici, you come out puisque place, la pierre est ôtée, la pierre a été roulée, quand tu sors d'ici, ton problème d'immigration est résolu. Si seulement tu crois, je parle à quelqu'un qui a la foi. Je parle à quelqu'un qui croit. Résolu. That your problem, ah, le problème sera résolu. That means your problem le will be problème, resolved. Hein, c'est que tu ne crois pas. Alléluia. Bien-aimé, je vous ai dit. I told you. Là, je ne vais pas encore dire. Now, I'm not gonna say, mais je vais dire. But I'm gonna say, bientôt, là, je vais vous dire. So, soon I'm gonna tell you. Parce que ça va arriver. Amen. Parce que j'ai la foi. Because I have faith. Mais ce que je vous dis, c'est ce que j'ai déjà dit. Is what I already said. Mais je répète seulement. But I repeat all. Alléluia. Amen. Je répète seulement ce que j'ai déjà dit, said, mais bientôt là, soon, je vais venir vous dire aussi. God will come and tell you too. Parce que j'ai la foi. Because I have faith. Je vous avais dit un jour, I told you one day, on était de l'autre côté là-bas, we were in the other place, que le monsieur là, that the man, le 5, the 5 qu'on ne payait pas, that we didn't pay, il a augmenté de 5%. He went up 5%. Le 10 qu'on ne payait pas, the 10 we didn't, the il a augmenté de 10%. He went up le 15 qu'on ne payait pas, the 15 we didn't il a augmenté de 15%. He went up 15%. Alléluia. Amen. Et comme on se connaît ici, and as we know here, on paye toujours après le 15. We pay after donc the on payait 10. Le loyer so we pay the rent avec 15% de plus. With 15% more. Et un jour, and one day, le monsieur m'a amené à la justice. Il a court. Mis plein de charges. He told, il a mis plein de charges. Je ne comprenais même pas de ces charges-là. Il a mis plein de charges, plein de charges. He just kept putting charges. On est allé à la cour. We went to court. J'arrive là-bas. And I arrived there. Sans avocat. Without any lawyer. Je me présente. And I presented myself. Avec Jésus mon avocat. With Jesus my lawyer. Parce que j'avais la foi. Because I got faith. Parce que je croyais. I believed. Parce que je savais. I knew. Que Jésus est avec moi. Was with me. Je savais. I knew. Que ce n'est pas pour moi. That it wasn't mais for me. Mais c'est pour son œuvre. But it's for his work. Alors moi j'avais la foi. So I got faith. Je suis parti sans avocat. I went without a lawyer. Avec assurance. With assurance. Je croyais déjà. I believed already. Comme je suis là. As I was there. J'ai la victoire. I had victory. Jésus est mon avocat. Jesus my lawyer. Si on fait honte là-bas, c'est pas moi, shame. C'est Jésus qui aura honte. Par la foi, je suis parti. J'arrive là-bas. I arrive there. On appelle les gens. They call people. They à mon tour. Amongst all, on m'appelle. They call. L'avocat n'est pas là. The lawyer wasn't there. Celui qui m'a accusé n'était pas là. The man accused le juge me wasn't a dit there. Case dismissed. So the judge said case dismissed. You can go. Alléluia. Amen.
Si tu crois. If you believe. Si seulement tu crois. If only you believe. Si seulement tu crois. If only you believe. Alléluia. Amen. La chose arrive. Things is going to happen. Cet après-midi. And this afternoon. Je voulais que tu puisses croire. I just want you to believe. Je crois que j'ai aussi témoigné. I know that I testified. Un jour. One day. Comment j'étais malade. How I was sick. Je me suis retrouvé à l'hôpital. I went to the hospital. Depuis que je suis né. Since I was born. Je n'ai pas le souvenir. I didn't have. Quand je suis resté même une nuit à l'hôpital. But I remained myself à part alone. Quand j'ai accouché mes enfants. After giving birth to my jamais child. Je suis passé parti à l'hôpital pour une maladie quelconque. For a sickness. No. Et là je me suis réfugié. Retrouvé à l'hôpital. I found myself in the hospital. Et on m'a dit, quand on m'a fait le scanner, scan on m'a dit que ce qu'on avait trouvé là-bas, ça pouvait être le cancer. They said that what they found could probably possibly be cancer. But me, que le Seigneur Jésus m'a dit that the Lord Jesus told me que par ce meurtre ici, j'étais guéri. I will heal you. Tout ce qu'on m'a dit là-bas, everything that ça sortait là-bas. It comes in and parce que moi, je ear. Croyais déjà I que je suis déjà guéri. That Jesus has healed Jésus a dit me. Que c'est par ce meurtre ici. Moi, là, me, la maladie ne peut pas demeurer. Parce que le Seigneur a besoin de moi. Je ne suis pas encore allé à Fiji. On m'attend encore là-bas. Alléluia. Amen. Je dois aller parler de Dieu là-bas. I'm going to go speak about God. On m'attend en Inde. Je dois encore partir là-bas. Je ne suis pas encore allé. Je vais mourir où? And where am I going to die? Where? Maladie où? Sickness where? Alléluia. Amen. Après, after, ils ont dit que non. They told me not. Ils ont pensé, mais c'était pas they ça. They thought, but it wasn't that. Mais pourquoi ils ont vu là? C'était pas les mêmes machines. So, what did they see? Wasn't it the Alléluia. Same machine? Alléluia. Amen. Bien aimé. My c'est beloved, parce que j'ai cru. It's because I believe. Bien aimé, crois. Beloved, you gotta believe. Crois seulement. You gotta believe. Quand tu crois. When you believe. Mon frère ici a témoigné. My brother here testified. Mon beau frère ici. My brother-in-law. Alléluia. Amen. Il a dit. He said. Parce que moi je lui disais que said, trouve un avocat. Parce que si tu ne trouves pas l'avocat, lawyer, ça fait deux fois qu'il est parti sans avocat. It's been two times he went without a lawyer. Le juge va te trouver que tu n'es pas sérieux. That you were, you just alléluia. That you donc il faut serious. Quand même que tu trouves un avocat et it's puis l'avocat va demander qu'on puisse and repousser. The lawyer is gonna ask for c'est ce que moi je lui ai dit dans that's la chair. What I told him. Mais lui, comme il avait la foi, but because he had faith, il avait la foi. He had faith. Parce qu'il a dit and he said, lui-même sans avocat, without lawyer. Quelqu'un qui fait la déclaration et qui croit ça and they believe in et it, les choses arrivent. And il a dit, he said, moi là, me, sans avocat, le juge va me donner les papiers. The lawyer will give me a document. Sans the avocat, me get papers. Le Seigneur va me donner les papiers. And they gave him parce que moi, j'ai aidé beaucoup de gens en Angola là-bas. He knew people in Angola. Il avait la foi. He had faith. Comme il avait la foi, as he had comme faith. Il a cru en ça, because he believed in et qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Le juge lui a donné les papiers sans l'avocat. Without any lawyer. Sans l'avocat. Without any lawyer. Ça fait même pas une année qu'ils sont ici. It's been what, a year now that they've been here, right? Une année. Un jour seulement avant de faire un an. Just one more day before making a year. Sans avocat. Without lawyer. Parce qu'on leur avait renvoyé déjà une fois, on leur a dit, trouve l'avocat. We, il parle la deuxième fois, il n'y avait pas d'avocat. Le juge a dit, je te redonne encore, trouve l'avocat. Said, I will give you more, mais là, moi, je me disais, mais logiquement, I told him, logically, si tu vas chez le juge comme ça, il y a deux like fois, that, on met l'avocat, tu viens pas sans avocat. Je lui dis, and, si, le juge risque de te trouver et que tu es négligent. Mais voilà comment. Comme il avait la foi, comme lui-même il savait que je vais aller sans avocat, et je sais que Dieu la va agir. Dieu aime ça. God loves that. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que says, sans la foi, without on ne peut pas être agréable à Dieu. Agréable quand tu as la foi, when you have la folie des grandeurs, comme on dit là. The craziness, alléluia. Amen. Moi, j'ai vu ça chez Maman Olang. I saw that in Maman Olang. Maman Olang va au Gabon. Maman Olang, elle organise une conférence, une convention dans un pays étranger. Elle est partie au Bénin. She went to Bénin. Elle est partie au Togo. She went to Togo. Elle a organisé des conventions she started organization. Dans un pays étranger. In a foreign country, s'il n'y avait pas la foi, if there was no faith, s'il n'y avait pas la foi, if there was no faith, alléluia, amen. Voilà pourquoi je te dis, that's why I tell you, si tu sors d'ici, if you come out et toi of tu as la foi, and you got faith, tu dis que ce que j'ai écouté là, and you said what I heard, moi aussi j'ai la foi, me as well I got que faith, mon problème reste that ici, that my problem will stay je pars here, avec la solution, and I go out tu with my solution, avec la solution, you will go out with your le solution. Le problème est que problem tu n'as pas la foi, you ain't got the faith, alléluia, amen. Nous allons continuer. We're gonna continue. Marie de Magdala Mary est arrivée de bon matin. Went in early morning. Alléluia. Amen. Au sepulcre. To them, et la Bible to, dit qu'elle trouva que la pierre that était roulée. The stone was moved. Alléluia. Amen. Elle était inquiète. She was worried. Alléluia. Amen. Elle se posait des questions. She asked questions. Mais la Bible dit the Bible says que quelqu'un lui a dit someone told pourquoi why cherches-tu are you searching celui qui est vivant that is alive parmi les morts amongst the dead. Pourquoi cherches-tu celui qui est vivant why are you searching God that's alive parmi les morts amongst the dead. Alléluia. Amen.
Marie de Magdala était inquiète. Mary was worried. Marie de Magdala avait comment je peux dire ça? Elle avait qu'est-ce que j'ai écrit même dans mes notes? Alléluia. Amen. Elle s'inquiétait. Alléluia. Mary was worried. Elle se posait des questions. She was asking questions. Mais but les deux hommes qui sont venus pour lui dire, to tell her, elle était désemparée, c'est le mot que je cherchais. She was down. Quand Marie est arrivée au tombeau, elle a vu que la pierre était roulée. She found that the stone elle était désemparée. Over, and she was just alléluia. There. Elle s'inquiétait. She was worried. Elle se posait des questions. She was asking questions. Bien-aimée, tu es là ce soir. You're there tonight. Tu m'écoutes cet après-midi. You're hearing me this afternoon. Peut-être que maybe, pour une raison ou pour une autre, for one une situation reason or another, que tu traverses, the situation that you're tu peux être désemparée. You're down. Tu peux être découragée. Maybe you're discouraged. Alléluia. Amen. Peut-être que maybe, tu n'as plus d'espoir. You ain't got no hope. Par rapport à la situation, to your situation que tu traverses, that you're going tu regardes through. Les look, années passent. Les years jours pass, passent. Days pass. Alléluia. Amen. Tu es désespéré you cet après-midi pour Marie de Magdala. For Mary, pendant que as elle était désespérée, she was without hope, la Bible dit the Bible says qu'il y a deux hommes that there was two men qui ont apparu. That appeared to alléluia. Her. Amen. Bien-aimé, my beloved, cet après-midi, this deux hommes. Two men. Deux hommes. Two men. Deux hommes. Two men. Alléluia. Amen. Et ces hommes-là étaient des anges. Cet après-midi, bien-aimé, deux hommes. Two men. Deux hommes vont apparaître. Cet après-midi, si tu as la foi, deux faith, hommes two men vont apparaître. Pourquoi you? Ces gens-là ont why apparu? Those people appeared? Parce que Marie était inquiète. Parce que Marie avait perdu l'espoir. Lost hope. Je parle à quelqu'un qui a perdu l'espoir. Cet après-midi, si toi, tu crois seulement que Jésus est ressuscité, bien-aimé, la situation sera là. Your situation will les be deux hommes vont apparaître. And the two men will appear. Les deux hommes vont apparaître. Alléluia. Amen. Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. For the word of God. Amen. Amen. Nous allons lire we're gonna read Marc 16, Mark 16, 14, 14, et puis nous allons remonter. Aujourd'hui, on commence en bas et puis on remonte. Today we're starting down and we're après, going nous up. Allons lire Marc 16, 9. And we're gonna read Mark 16, 9. Je lis la parole de Dieu dans Marc 16, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table. Et il leur répondit et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter, la parole du Seigneur. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Ici, on nous dit que Jésus a reproché les disciples parce que les disciples n'avaient pas cru. Bien-aimé, si tu ne crois pas, Jésus va te réprimander. Il faut croire sans avoir vu. C'est ce que Jésus disait à ses disciples. Il leur reprochait parce qu'ils ne croyaient pas. Bien-aimé, c'est la même chose aujourd'hui pour toi et pour moi. On ne vit pas le miracle parce qu'on ne croit pas. Nous avons du mal à croire au miracle. Jusqu'aujourd'hui, on ne croit pas. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il était comme un homme ordinaire. Parce qu'on lit dans la Bible, Jésus marchait, Jésus mangeait, alléluia, Jésus parlait, alléluia. Jésus était un homme normal, naturel, lorsqu'il était sur la terre. Mais après sa mort, lorsque Jésus est décédé, lorsque Jésus est mort, après le troisième jour, lorsque Jésus est ressuscité, Jésus était devenu un homme surnaturel. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est apparu. Il est apparu pendant que les disciples mangeaient. As the disciples were eating, Jésus était là. Jesus was there. Pendant qu'il y avait deux qui marchaient, as he was Jésus walking, est apparu au milieu d'eux. Jesus was walking Jésus with commençait them. À apparaître. Jesus started to appear. Pourquoi? Why? Parce qu'il était devenu surnaturel. Because he became supernatural. Puisque Jésus est surnaturel. As Jesus is supernatural, si tu crois if you en ce Dieu-là, him, surnaturel, supernatural, quel est le problème qui va résister dans ta vie? In your life? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cet après-midi, Jésus-Christ est venu rassurer ses disciples. Alléluia. Cet après-midi, je suis là pour te rassurer que si toi tu crois que Jésus-Christ est ressuscité, Jésus n'est plus dans le tombeau, si toi tu crois
que Jésus-Christ est capable de changer ton histoire. To change your si tu as la foi, bien aimé, tu vivras le miracle. Le miracle, ça demande seulement la foi. Le miracle demande seulement que tu crois. Quand tu crois, c'est là que tu verras le miracle. Then you'll see the miracles. Alléluia. Amen. Donc ici, so here, la mort de Jésus, the death of Jesus, comme on a vu, as we read, emmenait le désespoir. It brought lack of hope. Emmenait le découragement. It brought discouragement. Les disciples, the disciples qui ont marché avec Jésus pendant trois ans, for three years, après, after, quand Jésus est mort, when Jesus died, ils étaient découragés. They were discouraged. Ils étaient désespérés. They were sad. Ils étaient désemparés. Ils ne savaient plus quoi faire. They didn't know what to ils ne savaient plus où aller. They didn't know Alléluia. Where to go. Amen. Bien-aimé, my beloved, cet après-midi, this afternoon, si toi tu crois seulement, believe, parce que Jésus, Jesus, lorsqu'il est apparu, when he appeared, il a encouragé les disciples, the disciples de croire. To believe. Cet après-midi, this afternoon, il n'y a pas un autre message. There's no other message. Jésus Jesus n'est plus sur le tombeau. Is no longer in the Jésus tomb. Est réellement ressuscité. Jesus is truly resurrected. Puisqu'il est ressuscité, because he's toi resurrected, aussi, you tu as well, crois que ton problème, your problem, que ta situation, your que tes difficultés, que ta maladie, quelle que soit la situation que tu as, Jésus est capable. Jesus is capable. Parce qu'il n'est plus sur le tombeau. Because he ain't in the tomb. Il est ressuscité. He is resurrected. Ton problème, your problem, va être ressuscité. Is ton that problème, your problem, va prendre vie. Was resurrected and take life. Your situation va changer. Will change. Parce que Jésus, because Jesus, n'est plus is no longer au tombeau. Alléluia. In the tomb. Amen. Amen. Le tombeau, the tomb, est vide. Is empty. Amen. 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 Nous allons aussi lire. We're gonna read. Luke 1:45. Je lis la parole de Dieu dans Luc 1:45. Je lis au nom de Jésus. Amen. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. La parole du Seigneur acclame Jésus. Acclame pour la parole de Dieu. For the word of God. Heureux. Joy, heureuse, blessed, celle ou celui qui croit. Is those si that toi believe, tu crois if you believe, que le Seigneur t'a parlé un jour, Lord has que le Seigneur t'a fait une promesse, that he has made a promise si toi to you, tu crois, if you believe, tu verras cela s'accomplir. You will see the si le Seigneur t'a promis le mariage, if the Lord has promised you marriage, même si aujourd'hui, even if today, tu vois que l'âge est avancé, you see the age is going Jésus up, est capable. Jesus is capable. Jésus est capable. Jesus is capable. J'ai toujours parlé. I always spoke. Nous avons un témoignage palpable au milieu de nous ici. Amongst us here. Alléluia. Amen. Amen. Maman divine est là. Mama divine elle is est présente au milieu She's de nous. Present in the midst of us. Jésus se glorifie. Jesus glorifies himself. Nous tous on a vu. He Alléluia. Amen. Aujourd'hui elle est là. And today she's here. Main dessus, bras dessus, bras dessus. Alléluia. Alléluia. Amen. Chérie, chérie. Honey. Chérie, chérie. Honey, honey. Elle ne dort plus seule. Hein? She no longer sleeps alone. Alléluia. Amen. Elle n'a plus froid. Oh. She's no longer cold. Parce que la Bible dit. Because the Bible says. Quand tu es seul, when you're alone, tu as froid la nuit. You're cold in Mais the quand night. Vous êtes deux, but when you are two, l'un réchauffe l'autre. The one heats up the other. À plus de 60 ans. And her age 60 years old. Elle a patienté. She has been Mais aujourd'hui, quand tu la regardes, but today, when you look at her, tu peux voir qu'elle can you see? Can you see her? Alléluia. Amen. Ce Dieu est capable. God is capable. Il faut croire, bien-aimé. You gotta believe. Il faut croire you gotta believe que ce Dieu est capable. That God is capable. Même à plus de 60 ans, even past 60 years old, God will give you marriage. Moi, j'ai la foi. I got faith. Et ici là, that here, nous allons marier. We're gonna get married. Ici là, here, même l'âge avancé, even if age goes up, marier. We're gonna have marriages here. Marriages were here. Amen. Pourquoi nous insistons sur le mariage? Why are we speaking on marriage? Parce que c'est la voie autorisée. Because it's been authorized. Que Dieu a donné. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Oh, Jésus est merveilleux. Ah oui, tu seras fait sur la foi. It's only by your faith. Bientôt là, vous allez voir. Soon we're gonna see. Nous allons célébrer. And we're gonna celebrate. Dieu est fidèle. God is faithful. Amen. Amen. Nous allons encore lire. We're gonna read one once more. Nous chuter dans Jean 20. In John 20. 27 à 29. Je lis la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ dans Jean 20, verset 27 à verset 29. Je lis au nom de Jésus. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois.
Amen. Amen. 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux est celui qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Acclame pour le Seigneur. Put your hands together for the Lord. La Bible dit, the Bible says, lorsque Jésus apparut aux disciples, when Jesus arrived to the disciples, les disciples ont eu peur. The disciples were scared. Alléluia. Amen. Comme ils doutaient encore, when, ils well, s'étaient I pas doubted, très sûrs. They didn't believe. Mais il y en a un courageux là. There was one, Thomas, Thomas, qui dit un. Who said un. Pour que je croie réellement que c'est toi. For me to really believe it's you. Il faut que je touche. I gotta touch. Jésus a dit viens. And Jesus said come. Touche. Touch. Alléluia. Amen. Et c'est là il touche les them, mains et les pieds. The hands and feet. Qu'est-ce que Jésus dit? And what Jesus say? Il dit, he said, heureux blessed, ceux qui auront cru those who believed, sans avoir vu. Without seeing. Alléluia. Amen. Thomas pour lui, Thomas for il fallait d'abord he had to qu'il first, ait la preuve. He had to touch. Mais Jésus dit, and put to test. But pour Jesus vivre said, le grand miracle, to experience il faut great croire miracles, avant you d'avoir gotta believe before seeing. Il faut seulement croire. You gotta just believe. Seulement croire. Believe. Un enfant, a child, quand tu lui promets quelque chose, if you promise him something, il croit déjà. He believes it already. Il faut être comme un enfant. You gotta be like a child. Qui croit. That believes. Lorsque Jésus te dit, when Jesus tells je te marierai, you will get peu importe married, le temps, despite the crois time, comme un enfant. Believe like a child. Si Jésus dit, je vais te if guérir, Jesus said, I'm gonna heal crois you, comme un enfant. You gotta believe like si a child. Jésus dit, je vais t'élever, if Jesus said, I'm gonna elevate you, même si, even if, pendant que le Seigneur te promet l'élévation, as the Lord promises you elevation, toi tu vis des dettes et des situations and compliquées, and crois seulement. Just believe. Alléluia. Amen. Crois seulement. Believe. Même si tu vis le contraire, even if you experience the contrary, que tu sais que le Seigneur t'a dit, of what the Lord has told toi, crois you, seulement. All you gotta do is believe. Toi, persévère seulement. Persevere. Alléluia. Amen. Et tu verras. And you're going to see the glory of God. Le tout dernier, and the last of all, 1 Samuel. 1 Samuel. 16. 16. On va lire un seul verset, verset 7. C'est 16, 7. 1 Samuel 16, 7. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 16, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Acclame pour le Seigneur. Put your hands together. Le Seigneur regarde au cœur. The Lord looks at your heart. Le Seigneur voit ton cœur. The Lord sees your heart. Le Seigneur connaît ton cœur. He knows your heart. Tu peux dire, you can say, tu peux faire. You can do. Alléluia. Amen. Ici, but here, Dieu avait demandé à Samuel d'aller oindre quelqu'un to go to someone dans la maison d'Isaïe. In the house. Et quand il est arrivé, and when he arrived, il a vu les fils. He seen the sons. Il a vu le premier, first, Abinadab, je crois. Abinadab, il a cru que c'est celui-là. He believed that it's him. Ah, comme il est costaud. Because he's big and strong, muscular. C'est sûrement lui qui va être le roi. It's truly him that's going to be le the king. Le Seigneur lui dit non, non. But God said no. L'autre vient. The other one came. Peut-être ça va être lui. And le Seigneur he dit non, thought non. That it would be him, but the Lord said tous no. Les fils d'Isaïe sont passés. All the sons came. Le Seigneur dit mm-mm. And the Lord said nah. Alléluia. Amen. Les hommes the men, aiment ceux qui frappent, they like those ceux qu'on voit de strong, l'extérieur, serious, mais à l'intérieur, but in the interior, c'est pas ça. It ain't that. Dieu God voit le cœur. Sees your heart. Voilà pourquoi. And that's why, quand toi tu crois dans ton cœur que Jésus est ressuscité, that Jesus has been resurrected, Dieu regarde ton cœur. He looks at your Dieu heart. Verra. Jesus quand sees. Il voit ton cœur, when he sees your heart, c'est comme ça is that's que how tu vas vivre la résurrection. He was lived through the quand resurrection. Tu crois dans ton cœur, when you believe in your il heart, suffit pas de croire à l'apparence. It's not just a belief. Il suffit pas de montrer que tu crois. It is not to show mais that Dieu you believe. But God looks at your heart. Travaille sur ton cœur. Work on your heart. Et crois en la résurrection. And believe in the resurrection. Jésus Christ that Jesus Christ of Nazareth cœur. In your heart. Et c'est comme ça, bien-aimé. And that is how tu vas vivre. You're gonna see. Si tu disposes ton cœur, if you make your heart available, la Bible a dit, the Bible says earlier, que heureux celui that qui blessed croit is those that believe avoir vu. Without seeing. Si toi tu crois, if you believe, si toi tu disposes ton cœur, if you open up your heart, que Jésus est ressuscité, that Jesus is resurrected, tu verras tout dans ta vie va ressusciter. You will see in your life that your life has been resurrected. Tous les problèmes every que tu problem traverses, that you've been going que ce soit la maladie, but the sickness, quel que soit, no matter, même si ça tarde, even if it takes que ce time, soit même le problème de l'immigration, even if it's a problem of immigration, bien aimé, si tu my crois, beloved, if you believe,
believe. Dernier témoignage. The last testimony. Il y avait un papa. There was a father. Qui était avec nous. That was with us. Qui était pas ici, mais c'était was, à Raleigh. He wasn't here, but he was in Raleigh. Ce papa là. That papa. Il avait gagné la loterie. He won a lottery. Il était au Congo. He was in Congo. Mais il n'avait pas les moyens. But he had the money. Il y a un autre papa qui était there ici. There was another father that was here. Il avait besoin que sa femme qui était au Congo. He needed his wife that was in Congo. Arrive aux États-Unis. To come here. Donc ils sont so, avec le papa là. He was waiting with that father. Il dit à l'autre papa qui était he à Kinshasa. He said to the father that was in Kinshasa. Viens avec ma femme. Come with my wife. Comme si elle est ta femme. And make it to be so that she's your wife. Moi so, je te paye le billet parce que le papa n'avait pas d'argent pour le billet. The father didn't have the money to pay. Donc moi je te paye le billet pour and toi. And I'll pay your ticket for et you. Je paye le billet pour ma femme. And I pay the ticket for my wife. Et je paye tous les frais jusqu'au demande pour le visa, les examens, visa, tout ça parce qu'il avait gagné la loterie. Le papa n'avait rien. Donc notre papa ici so here, a tout payé. He paid everything. L'argent pour les tests, the money for the test, l'interview, interview, tout. Le papa là a payé. That father has paid. Et évidemment notre papa est venu and avec la femme came, de notre came papa with the wife of our papa here. Ils sont arrivés aux États-Unis. They came to the US. C'était seulement la photo. It was just a photo. Mais le nom, c'était le nom de l'autre papa de was Kinshasa. The name of the other father of Kinshasa. Ils arrivent ici. They came here. Maintenant. And now. On commence à leur dire, ok. Il oh, okay. Faut divorcer maintenant. You gotta divorce moi, now. Moi, je reste avec ma femme. So I can remain with my wife. Le papa là, il and réalise papa, que he sa femme that. Était déjà entrée. His wife donc pour l'immigration. So for immigration. Puisque la femme est entrée avec because le nom with de that sa name, femme, that mais c'était une autre wife, personne. Was another person. Sa femme pour les Américains. That wife for the American, la femme est déjà ici. She was already here. Maintenant, même s'ils font le divorce. But even if they do a divorce. Lui là, le papa de Kinshasa. He has the papa of Kinshasa. Comment sa femme va venir? How's his wife parce going to come? Pour les, dans les papiers, elle était because déjà everything ici. In the papers was already there. Alors, c'est devenu un problème. So it became a problem. Le monsieur commence à se fâcher. The man starts to get mad. Il dit mais comment tu m'as trompé? He said how you gonna fool me? You tricked me, fooled me. C'est devenu des problèmes et des disputes. Dispute, il voulait même s'en tenir aux mains. He wanted to even alléluia. Hands, amen. Ah, les disputes finalement, oh, il s'est dit je vais accuser, je vais appeler maman Lang. Ils appellent papa et maman Lang. Ils expliquent la situation. Maman Lang dit mais pourquoi vous faites des choses sans demander même les conseils? Why do you do things without asking for advice? Est-ce que toi-même tu peux pas réaliser que ta femme vient avec le visage de quelqu'un d'autre? The visa of someone else. Mais c'est le nom de ta femme. But it's the name of your wife. Comment ta femme va arriver? So how is your wife gonna arrive? Parce que elle est déjà arrivée aux États-Unis. She's already arrived in the US. Even if it wasn't her. Maman Lang a dit entre en prière. Maman Lang a dit go in prayer. What do you want to do? Enter into prayer. Alléluia. Amen. Maman Lang a dit j'ai pas de solution pour. Maman Lang a dit I don't have a solution. C'est seulement Dieu qui a la solution. It's only God that has a solution. Le papa l'a dormi à la salle. That papa was sleeping. Matin, midi, soir. Morning, afternoon, au travail, night. At work. Il revient du travail, il va à la he salle. He went to work, he came back at the place. Il n'allait plus chez lui. He didn't go to his house. Il allait seulement à la salle. He went to the place. Au travail. To work. À la salle. To the place. Church. Un jour. And one day. Est-ce que l'immigration appelle les gens? The immigration called. Do the immigration jour, call l'immigration people? L'appelle. One day the immigration called him. L'immigration l'appelle. They called him and on said. On lui dit que. And they said. Maman est définie. Maman est définie. Mais l'immigration appelle le papa. The immigration called the father. Et puis on lui dit que on voit plus le dossier de ta femme. We no longer see the document of your wife. Il faut que ta femme vienne. It has to be so your wife has to come. Pour refaire ses fingerprints. So we can ah, take her fingerprints. Mais je ne sais pas si vous avez compris. I don't know if you understood. Je ne sais pas si vous avez compris. I don't know if you understood. L'immigration appelle le monsieur. Immigration called that man and told him. On voit plus le dossier de ta femme. We don't got the documents of your wife. Il faut que ta femme it has to be that your wife comes here to do her fingerprints. Le monsieur dit ma femme est au Congo. The man said my wife Congo. Congo. She went to Congo. Ils ont dit y a pas de problème. They said there's no problem. On envoie le message. We'll send a message. Elle est où? Where is she? À Kinshasa. In Kinshasa. Okay. On envoie le message. They send a message. Elle se présente à l'ambassade she de Kinshasa. She went to present herself to the embassy of Kinshasa. Présentée. The woman presented herself. Et on lui a donné le visa. And they gave her a visa. Et elle est arrivée aux États-Unis. And she came to the US. Bien aimé. My beloved. C'est le Dieu que toi tu it's sais. The God that you're c'est le Dieu que moi je sais. It's the God that I'm serving. Le Dieu de maman Lang. The God of my maman Lang. Le Dieu nous a présenté. The God that presented us. That God is capable. Why are you crying? Why are you crying? Why are you worrying? We have a God. Who has a solution. Where men say that is done. That is impossible. The God that you can look for here. The God that you can look for here. Has a solution. He has a solution. He has a solution. Oh, bien-aimé. Ah, my beloved. La maman là est arrivée aux États-Unis. She came to the U.S. Sans souci. Without worry. Sans problème. Without problem. Ah. Je ne sais pas si tu as compris. I don't know if you understood. Je ne sais pas si tu as compris. I don't know if you understood. Le Dieu là que nous servons. The God that we serve. Le problème est que. The problem is. Toi tu ne crois plus au miracle. You don't believe in miracles. Le problème est que. The problem is. Toi tu n'as pas la foi. You don't got faith. Le problème est que. The problem is. Dans ton cœur. In your heart. Tu ne t'es pas encore dit. You didn't say. Que Jésus est ressuscité. That Jesus has resurrected. Que Jésus est ressuscité. That Jesus is truly resurrected. Que Jésus est ressuscité. That Jesus is truly resurrected. Si toi tu crois. If you believe. Que Jésus est ressuscité. That Jesus will resurrect. Tous tes problèmes. All
problèmes, toutes tes difficultés, all difficulty, toutes tes situations difficiles, difficult situation, ne pourront pas résister not à la mort. To death. Parce que Jésus a vaincu la mort. Jesus Christ overcame death. Jésus est ressuscité. He resurrected. Tous tes problèmes seront ressuscités. All your problems have been tous tes problèmes trouveront la solution has been found the parce solution que c'est Jésus là. Because it's Jesus. Il est vivant. He is alive. Que le Seigneur bénisse sa May parole. Lord bless his word. Bien-aimés, nous allons adorer ce My Dieu. Beloved, we're going to worship God. Nous devons croire ce soir. We have to believe. Le message est clair, bien-aimés. Jésus-Christ n'est plus au tombeau. No Jésus-Christ est ressuscité. Jesus adore avec cette parole, bien-aimés. Adore ce Dieu avec cette Worship parole. Et que Jésus-Christ n'est plus Jesus au tombeau. Et que Jésus-Christ est And ressuscité. Réellement, il est ressuscité. Bien-aimés, nous allons adorer ce You're Dieu. Nous allons adorer ce grand You're Dieu. Nous allons adorer ce grand You're Dieu. Parce qu'il est merveilleux. Le Dieu de papa et maman Olangi. Le Dieu que nous sommes venus adorer. Le Dieu que nous sommes venus adorer. Le Dieu qui change tout. Le Dieu qui change tout. Il est dit d'être adoré. Rien n'est impossible à ce Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Crois seulement, bien-aimé. Que Jésus-Christ n'est plus au tombeau. Crois, bien-aimé. Et qu'il est la solution à ton problème. Crois ce soir. Crois, bien-aimé. Ne sois pas comme Pierre. Crois sans bien-aimé. Crois, bien-aimé. Même si tu n'as pas encore vu. Mais crois, bien-aimé. Crois. Crois la résurrection. La résurrection va tout changer dans ta vie. La résurrection va tout changer, bien-aimé. Crois la résurrection ce soir. Alléluia. Ne résiste pas contre le Saint-Esprit. Jésus. Alléluia. Viens édifier le peuple de Dieu. N'endurcis pas, bien-aimé, ton cœur. Mais crois. Alléluia. Jésus. Il est dit d'être adoré, ce grand Dieu. Bien-aimé, le tombeau est vide, bien-aimé. N'allez pas chercher Jésus-Christ, bien-aimé, parmi les morts. Ne retiens pas, réponds ton esprit devant le Seigneur. Alléluia. Ne retiens pas les fruits de tes lèvres. Yes, sir. Dis à moi, Jésus. Dis à moi, Jésus, ce soir. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Il est Dieu. Il a vaincu la mort. Heureux je suis parce que Dieu est pour moi. Quelle grâce, quel privilège La terre ce soir. N'a pas pu le contenir. Quelle grâce, bien-aimé. La terre a vomi, bien-aimé, son créateur. Heureux la nation dont l'Éternel La terre a refusé, bien-aimé. Heureux la personne dont l'Éternel est Dieu. Jésus parce qu'il est son créateur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Adore-lui. Nous sommes devant le Seigneur. Adore-lui, il va apparaître dans ta vie ce soir. Adore Jésus, il va apparaître. Ce nom est puissant. Dis à Jésus, ton nom est puissant. Avec le nom de Jésus, nous sommes fils de vainqueurs. Le nom de Jésus est puissant.
Alléluia. Le nom de Jésus guérit les malades. Le nom de Jésus amène la délivrance. Le nom de Jésus afin que mes écailles qui t'aiment mes yeux tombent. Fete ba sakola, omoyo ba te iba kote ya e. L'avenir de ce nom de Jésus. Omoyo ya Yesu. Omoyo ya Yesu. Le nom de Jésus est puissant. Omoyo. C'est le nom que nous sommes venus adorer ce soir. Ce nom est ma guérison. C'est ce nom qui m'a ressuscité. Alléluia. Omoyo ya Yesu. Le nom de Jésus est puissant. Omoyo ya Yesu. Je lève mes mains. Lève tes mains pour adorer ce grand Dieu. Adorer ce nom, le nom de Jésus. Il va changer ta vie ce soir. Mon frère et ma sœur, pendant que tu souffres, invoque le nom de Jésus. Le nom de Jésus ne ment jamais. Au contraire, bien-aimé, quand tu crois à ce nom, bien-aimé, les choses vont changer. Alléluia. Le nom de Jésus est puissant. Amen, alors, qu'est-ce que gloire au nom de Jésus. Nous voulons vivre ta gloire. Seigneur, fais-moi vivre ta gloire. Ta gloire cet après-midi. La gloire de Dieu. La gloire est au milieu de nous. Les disciples ont vu la gloire de Dieu. Crois, Jésus va apparaître. Quand il va apparaître dans ta vie, tu verras la gloire. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Les gens qui ne se marient pas commencent à se marier à cause de ce nom. Le nom de Jésus, c'est un nom puissant. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui, le m'a, Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu, le qui, Dieu m'a qui nous a aimé. Tu es le Dieu qui m'a guéri. Alléluia. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. J'étais malade, tu m'as guéri. Tu es le Dieu qui m'a guéri. Tu es le Dieu qui m'a guéri.
Tu es le Dieu qui m'a guéri. Abandonné, tu m'as ramassé. Dès la mort, tu m'as touché. Tu es le Dieu qui m'a touché. Tu es le Dieu qui m'a touché. Oh oui, tu es le Dieu de miracles. 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 Oh oui, tu es le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Alléluia. Tu es le Dieu de miracles. Oh oui, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de miracles. Je suis Dieu, le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu m'avais promis la guérison. Yahweh accomplit ta promesse. Oh, Yahweh. Yahweh accomplit ta promesse. La promesse de Dieu va se réaliser. Tu accomplit ta promesse. Sa parole va s'accomplir dans ta vie. Tu m'avais promis la délivrance. Oh, Yahweh. Yahweh accomplit ta promesse. Alléluia. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Tu m'avais promis la fécondité. Jésus accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Oh oui, tu es le Dieu de miracles. Oh, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oh oui. Tu es le Dieu de miracles, ya ya. Tu es le Dieu de miracles. Oui, tu es le Dieu de miracles. Mettons tous debout. Proclamons, il est le Dieu de miracles. Oh oui, il est le Dieu de miracles, Jésus. Tu es le Dieu de miracles. Proclame, il est le Dieu de miracles, ce Dieu-là. Miracles, Jésus. Il est le Dieu de miracles, Seigneur, nous t'adorons. Ata bokono ela dizote Yahweh na yebi yoko sala. Même si la malédiction est là, Seigneur, je crois. Yahweh na yebi yoko sala. Moi j'ai la foi que tu vas faire. Yahweh na yebi yoko sala. J'ai la foi, Seigneur, que tu vas agir. Ata seliba ela dizote. Même si je suis là, je suis encore sur la terre. Je n'ai pas encore mis ce monde, mais je crois. Yahweh na yebi yoko sala. Je crois, Seigneur. Mon cœur est disposé à croire. Je crois au miracle. A ta échec et la tisoto. Même si l'échec a pris fort dans ma vie. Comme de la chair, moi je crois. Je crois, Seigneur, que tu vas agir. Agis dans ma vie. Jéhovah, Jéhovah. Ce soir, le Dieu qui m'a ouvert les yeux, le Dieu des papas ou des le Dieu qui m'a expliqué le haut, le Dieu qui m'a élevé aujourd'hui, le Dieu qui m'a sauvé ce soir, le Dieu que j'adore ce soir, qui est le Dieu très haut, Jéhovah. Cherchez Jésus parmi les vivants. Il va se laisser trouver. Il va apparaître dans ta vie. Voilà pourquoi nous t'adorons ce soir.
Voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Toi qui es notre Dieu. Merci, l'agneau de Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que toi, tu n'es plus au tombeau. Jésus-Christ n'est plus au tombeau. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est en ce lieu. Il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. N'allez pas les chercher parmi les morts. Celui qui est vivant, Jésus-Christ est vivant. Il est en ce lieu. Il est parmi nous. Acclamez le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons Alpha et Omega. Il est Dieu. Il est grand. Il est redoutable. Il est admirable. Cet homme de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité. C'est vrai, il n'est plus au tombeau. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Le Saint-Esprit a donné la vie à Jésus. C'est le Saint-Esprit. Celui qui a roulé le tombeau. Celui qui est allé prendre Jésus. He went to go take Jesus. Qui était enseveli. Who was there? Enterré. Buried. Jésus-Christ est allé. Le Saint-Esprit est allé là-bas. The Holy Ghost went le prendre. To take Jesus. Amen. Amen. Bien-aimé, écoutez ce que la Bible déclare. Listen to what the Bible declares. J'aime tellement ce verset. I love this verse. La Bible dit des hommes montèrent au temple. The Bible says two men went up to the temple. Pour prier. To pray. Amen. Amen. Le pharisien disait, the Pharisee said, je ne suis pas comme le reste des hommes. I'm not like the rest of the men. Qui sont ravisseurs. They're there. Qui sont injustes. Who are just unjust. Amen. Unrighteous. Il allait au temple. He went to the temple. Pour prier. To pray. Il a prié. He prayed. Non seulement il priait. Not only did he pray. Mais il jeûnait aussi. But he fasted as non well. Non seulement il jeûnait. Not only did he la fast. La Bible dit, the Bible says, il donnait la dîme. He gave his tithe. De ses revenus. Of his income. Ou au temple. Ce que nous voulons faire ce soir. That's what we want to do tonight. Nous voulons donner la dîme à notre Dieu. We want to give our tithes to our God. Parce que le 1 dixième lui appartient. Because that 10% belongs to him. Mais derrière la dîme, behind the tithes, il y a la protection de Dieu. Protection of God. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui va commencer à there's te protéger. Someone that's going to start to protect you. Quand toi tu obéis when you à la voix de l'Éternel, to the voice of the Lord, notre Dieu, our God. Nous allons nous mettre debout. You understand? Nous allons prendre nos offrandes, you're gonna take our offering, your tithes, nos libéralités, your free will given. Prends tout ce que toi tu as amené. Take everything that you got. S'il vous plaît, on se met debout. You can all please stand. On se met debout, s'il vous plaît. You can all please stand. Ceux qui sont assis, those who are still seated, je t'attends. I'm waiting for you. Toi qui es encore assis those ou assise. Amen. Amen. Et je vais encore demander. I'm gonna ask à maman Renée, maman Yudou de prier pour les offrandes et la dîme. Éternel notre Dieu, Father nous te disons God, merci, Père des grâces. You, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth, tu as dit, porte, ne venez pas devant ma face, main vide, Père de grâce. Voici ce que tu nous as bénis avec. Nous, nous venons avec nos dîmes et nos offrandes, Père de grâce. Père, en signe de reconnaissance, par ta puissance éternelle, notre Dieu, ouvre les églises des cieux, Père de grâce. Ce qui était fermé, Seigneur. Ce qui était bloqué, Seigneur. Ce qui était en retard dans nos vies. Père, en ce signe de reconnaissance, nos dîmes, nos offrandes, Père. Laisse que ta main éternelle, notre Dieu, puisse ouvrir, Seigneur, les églises des cieux. Et que ta face, Seigneur Jésus, en mettant dans les paniers, ta face éternelle, notre Dieu, vois nos problèmes, vois nos situations. Vois nos maladies et guéris-nous au nom de Jésus, Père. Souviens-toi de ceux qui en manquent. Père, bénis l'Éternel pour qu'il ne manque pas, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, en manger. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît.
Nous excusons. We're excusing. Nous allons aller en ordre. We're gonna start in order. Nous voulons d'abord que les responsables viennent donner. That the responsible et après, wants to come, nous allons aller rang par rang. We're gonna go lane c'est by lane. Mieux présentable. It's more presentable. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous en prie. Je suis allé en Pennsylvanie pour prêcher. I went to Pennsylvania to Au moment de donner les offrandes, je me suis levé comme un mouton. Et tout le monde me regardait, j'ai eu honte. Everyone looked at me, I stood up. J'ai dit, quand je viendrai à DC, on va aussi DC, appliquer cela. We have to also apply, Amen. Apply this. Acclamons le roi des rois. Amen. Amen. Je disais amen. I said amen. C'est comme si vous n'êtes pas content. It's as if you're not happy. Nous les Africains, on n'aime pas le changement. We're not doing a changement. C'est pourquoi nous restons au pouvoir longtemps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can someone say amen? Mon père spirituel est troublé. My spiritual father. Oui, avec le temps, nous allons apprendre. Yes, in time we're going to chez les Américains, to the Americans, c'est l'ordre. It's order. Amen. Amen. Donc, prochainement, nous allons Next opter time. Avec les ushers. We're going to do with ushers. Non, on peut nous lever comme ça. Time prayer.
À partir de 20h, from 8 p.m. samedi, nous avons notre programme des bien-aimés. Saturday, we have a program of bien-aimés. À partir de 19h30. Et le même samedi, nous avons le programme de nos enfants, la JCC, à partir de 17h30. Amenez les enfants bien-aimés. Ils ont besoin d'écouter la parole. Amen. Amen. La Bible dit ainsi ces choses à vos enfants. Amen. Et la parole de Dieu sera gravée dans leur cœur. Même si quand ils vont grandir, even if they grow up, mais cette parole-là word, va commencer à crier. Will start to shout. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, that's why, amène ton enfant, bring your kids, ta fille ou ton fils, your daughter or your son, au programme de la JCC. For the program of JCC. C'est samedi à partir de 17h30. It's Saturday from 5:30 p.m. Et le dimanche, nous avons notre équipe d'adoration. We got our worship service. Amen. Amen. N'oubliez pas que nous sommes do not en jeûne de 50 jours. Comme je disais l'autre fois, nous allons clôturer notre jeûne de 50 jours par une retraite. Amen, hein? Amen. 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 Dieu va nous aider. God's gonna help us. Beaucoup de choses ces jours-là vont passer. A lot of things on that day will happen. Pendant la Pentecôte. We're gonna have the Pentecost. Amen. Amen. Mais nous voulons clôturer ça but we wanna close that avec la retraite. With a retreat. Nous voulons être remplis. We want to be filled. Nous voulons être transformés. We want to be transformed. Nous allons devenir comme Pierre. We want to become like Peter. Tu sais, après la Pentecôte, you know, after the Pentecost, l'ombre de Pierre the person Peter guérissait les malades. Was healing, the name Peter Amen. Was healing the sick. Après la Pentecôte, after the Pentecost, ton ombre, your name va commencer à guérir will start les gens. To heal people. Amen. Amen. Tu n'auras pas besoin d'imposer les mains you aux gens. You won't have the need to touch mais ton ombre. But your parce name, que Dieu a fait à l'époque because les mains what God did at the time, de Pierre, Peter, il est capable he is capable de le faire to do it à notre époque in our time. Parce qu'il est le même Dieu. Because he is the same God. Si tu crois à cela, that, tu vas acclamer le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamez Jésus. Nous sommes arrivés à la we fin. Nous allons nous mettre debout. Nous te disons merci, nous. Te disons, nous te disons. Oh, nous te disons merci. Oh, nous te disons. Nous te disons merci. Oh, nous te disons. Hosanna. Ma divine, s'il vous plaît, avant de clôturer la prière, we're closing the prayer. Nous voulons prier pour notre enfant, Ézéchiel. C'est le jour de son anniversaire. It was the day of his birthday. Avec le frère Dieudonné. Parce qu'il est encore frère. Because he's still brother. Mais par la foi, il va se marier. By faith, he will get married. Moi, je prie beaucoup. I pray a lot. Pour mon frère ici. For my brother here. Ne dis pas non, Dieu de nous. Amen. Il va se marier par la grâce de Dieu. He'll get married by the grace of God. Amen, hein? Amen. Dieu va se glorifier. God will glorify himself. Parce que cet homme a servi Dieu. Because he has served God. Amen. Amen. Il a donné son temps à servir ce grand his time Dieu. To serve God. C'est un grand tireur. Amen. Amen. Dieu l'utilise puissamment. God uses him powerfully. Il sera honoré. He'll be honored. Amen. Ce n'est pas en vain qu'il a servi ce Dieu. Mais moi, je sais que ce Dieu de papa et maman Olangi va l'honorer. Amen. Amen. Voilà pourquoi là, qui? Oui, maman Sarah. Maman Sandrine. Dieu a ajouté une année de plus. Maman, il faut communiquer, non? C'est joli derrière. Il faut de temps en temps communiquer. Parce que c'est une grâce quand Dieu ajoute une année de it's plus. A grace when God adds one more year. Amen. Amen. Et particulièrement, je vais demander à Manico de I'm prier. Ask Manico to pray. Père, Father, c'est avec un cœur reconnaissant it's with an acknowledgement que nous voulons te dire merci. I want to say thank you. Dans ton amour, Seigneur, in your love, il t'a plu
you have taken de rajouter une to année it, de plus one more year, dans la vie de ton serviteur, Papa Dieudonné, Maman Sandrine et Ézéchiel. And Ézéchiel. Père de gloire au Dieu, Father God, que cette année que tu ajoutes dans leur vie, Seigneur, that this year that you added in their ils lives, puissent encore se rapprocher de toi. Let it be closer to you, et que, Seigneur, tu les aides and that you help them, pour que dans leur cœur, so that in their hearts, ils puissent croire en they toi can believe in you, et à la résurrection. And to the resurrection, pour que, Père de gloire au Dieu, so that, Father, tu puisses opérer des grands miracles operate dans leur great miracles vie. In their lives. Seigneur, merci. Father, thank parce you que tu es ressuscité. Because you are resurrected. Tu n'es plus au tombeau. You're no longer in a tomb. Et Père de gloire au Dieu, Seigneur, Father God, nous croyons que ce miracle, we believe that this miracle va se répercuter dans leur vie will impact them in pour their lives. Cette année de plus que tu leur for as accordé, tu as ajouté dans leur vie in their lives, et que, Seigneur, tu vas aller avec eux de gloire en and gloire that you can go with them in glory et tu vas glory. Te manifester and you can manifest et l'on saura and que c'est l'Éternel qui leur a fait. That has done it. Merci pour les grandes choses thank dans leur the great vie. Things in their lives. Dans le nom de Jésus, in the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Amen, hein? Amen. Nous allons célébrer ensemble. We're going to celebrate together. Amen. Amen. Parce que pour moi, c'est because le me, c'est mardi ici. It's Amen. Amen. C'est le jour de mon anniversaire. It's the day of my birthday. Mais ensemble avec but nos together bien-aimés, with our beloved, nous allons quand même faire quelque chose. We're going to do something Sunday. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Parce que Dieu aussi va because ajouter well, une année de plus. We'll add one more year. Comme je disais, bientôt là, j'aurai 60 ans d'âge. I'll be 50. Amen. I'll be soon 60 years old. Amen. Amen. Mais j'ai encore la force. But I have faith. De servir ce grand Dieu. To serve God. Amen. Amen. La seule chose qui me reste. It's something the only thing that remains in this earth. Amen. Amen. C'est de le servir. It's just to serve Him. Parce que je m'approche vers la because fin. Because I'm going towards the end. Ce qui me reste. Whatever c'est remains, de le servir. Just to serve Him. Je n'ai rien d'autre à I donner have nothing else to à ce Dieu. To God. Dites amen. Amen. Si ce n'est de le servir, if just to serve him, amen. Amen. Jour pour jour, day after day, il nous garde. He keeps us. Amen. Amen. Je passe la parole à Maman I'll Divine. Leave the word to Mama Divine. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus, que tout soit pour toi le grand that Dieu, all be for you, great God. Que tout soit pour toi le tout puissant, may all be for you, the all que tout soit pour toi le créateur et créé, que tout soit pour toi le may Dieu du royaume des possibilités, the God of all que tout soit pour toi le faiseur de miracles, all be for you, the one that que tout miracles. Soit pour toi le Dieu that qui est dans sa you. Parole, the God that says in his word. Le Dieu qui nous a appelé dans ta the présence God en ce jour, pour nous faire du bien. To do us well. Nous te bénissons, Seigneur. We bless your name. Parce qu'on était en train de fêter. Because we were celebrating. La journée de Pâques éternelle, mon Easter. Dieu. Sans avoir, Seigneur, without sans vivre cette résurrection dans nos vies. Experiencing our resurrection in our lives. Mais aujourd'hui, dans ton amour parfait, but today in your Seigneur, love, in your perfect love, il t'a plu de nous conscientiser, éternel, you have Papa. Us conscience, Father. Seigneur des Seigneurs. Lord of Lords. Tu nous as dit, éternel, mon Dieu. You told us. À cause, Seigneur, de notre incrédulité. Because of our infidelity. À cause, Seigneur, du manque de foi. Because of lack of faith. De la peur éternelle, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ, Seigneur des Jesus Seigneurs. Christ, Lord of Lords. On n'a pas pu vivre la résurrection de Jésus-Christ dans nos vies, Seigneur. Jesus Christ in our lives. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Nous avons pris conscience. It's a conscience. Et nous te demandons pardon, Seigneur, we ask forgiveness pour notre ignorance éternelle. For our ignorance. Merci mon Dieu mon roi. Thank you, Lord, parce que ton Saint-Esprit Seigneur Holy Ghost nous a parlé éternel Papa to us, comme tu n'as jamais parlé. As has never spoken qu'aujourd'hui to us. Éternel Seigneur today, ton Saint-Esprit va nous conduire Holy Ghost will come Seigneur des Seigneurs Lord of Lords, mon Dieu mon roi my King, a réalisé to realize que réellement Jésus est mort that truly God has il died, est ressuscité died, et que le tombeau est vide and the tomb et que nous allons commencer à vivre la résurrection de Jésus dans nos vies Seigneur et que tout ce qui était mort éternel et ressuscité dans nos vies, Jésus. Là, il y avait des échecs éternels, mon Dieu. C'est la réussite dans tous les domaines de nos vies. Toutes les portes qui ont été fermées, Seigneur, à cause de notre incrédulité éternelle, sans séjour éternel, ces portes sont ouvertes, Seigneur, mon Dieu. Là où il y avait la maladie, tu as donné la guérison. Jésus, merci pour la victoire. Le Dieu des royaumes des possibilités. Là où il y avait l'impossibilité,
possibilités t'y a rendu tout possible. The things that are possible made possible. We said thank you. Nous te disons merci. We said thank you. Nous vivons la résurrection dès cet instant jusqu'à ce que tu reviennes. Parce que tu l'as fait éternel. Et tu l'as accompli, Jésus. Seigneur des seigneurs, mon Dieu. Si c'est des femmes qui sont allées, Seigneur, au tombeau éternel, mon Dieu, pour voir le corps et mettre, Seigneur, le parfum. Seigneur des seigneurs, quand ils ont trouvé le tombeau était ouvert, mon Seigneur, tu les as confirmés. Pourquoi ils devaient chercher celui qui était vivant parmi les morts? Aujourd'hui, éternel, mon Dieu, nous étions venus ici sans savoir, éternel, mon Dieu, que le tombeau était vide. Tu nous as confirmé. Le tombeau est vide. Seigneur des seigneurs, tout ce qui a mené l'incrédulité dans nos vies, Seigneur, tu as ôté cela dans nos vies éternelles. Merci, mon Dieu, mon roi. Thank you, Lord. Merci, Adonai. Thank you, Adonai. Parce que nous allons continuer dès ce jour à vivre la résurrection. La résurrection de Jésus Christ dans nos vies, jour pour jour. Et nous te disons merci and pour cela. L'homme de Galilée, je viens, Seigneur, en ton nom éternel. Seigneur des seigneurs, bénir tes enfants. Seigneur qui était dans ta présence en ce jour. Jésus, tu as dit dans ta parole, vous ne me chercherez pas en vain. Vous n'allez pas rentrer tel que vous étiez venu. C'est ta parole, Jésus. Et toi, tu es dans ta parole pour l'accomplir. Nous étions venus chargés. Tu as ôté toutes les charges à cause de la résurrection. Merci, Adonai. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait. Seigneur, ceux qui étaient malades rentrent guéris. Ceux qui n'avaient pas les documents, Seigneur, nous avons la foi que tu as donné les documents. Ceux qui n'avaient pas du travail, nous avons l'assurance que tu as donné le travail. Ceux qui étaient bloqués dans le célibat, tous ces esprits, Seigneur, qui bloquaient, qui les amènent en qui, Seigneur, la victoire est dans nos mains, Seigneur, et nous te disons merci pour cela. Seigneur, nous bénissons la semaine qui commence. Nous bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les activités, Seigneur, de notre siège. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, l'homme de Galilée, le salut d'Israël, nous te recommandons notre parcours de retour dans nos domiciles. Seigneur mon Dieu, que ton sang nous couvre. Que tes saints anges nous escortent afin qu'on ne puisse pas rentrer contre des pierres. Rabbi, merci pour la présence de Saint-Esprit qui va nous accompagner dès cet instant jusqu'à ce que nous allons arriver. Nous te disons merci et nous scellons notre prière dans le sang de Jésus. Et que la semaine soit bénie, que tout le monde soit béni. Père, c'est dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié. Et ensemble nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire merci et louange. Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mon espoir, mon pourvoyeur, ma consolation, l'encre dans mes bras, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin, Jésus, tu es tout. Tu es le seul dont j'ai besoin, Jésus, tu es tout. Toutes mes équations.
Est-ce que tu peux pousser les cris de joie?
J'étais plus bas que terre, tu m'as relevé. L'amour que j'ai reçu de toi, je ne l'ai pas mérité. Papa, ma vie est le synonyme de ta bonté. Il n'y a rien dans ce monde qui m'aura émerveillé plus que toi. J'ai pourtant essayé de trouver mieux que toi à mon humanité. S'il fallait encore te retenir mon cœur, je recommencerai. Laisse-moi te chanter, maman, laisse-moi te chanter. Laisse-moi te chanter, oh papa, laisse-moi te chanter. Na kola manye, awotoni si mote mananga ye, na bolingo na yango. Na kosa langye, awotoni si mote mananga, na bonza mena yo. Je suis plus le même, tu m'as changé entièrement. La coma covive, mon soya bonza mena yo. Je suis un peu victoire est assurée, j'avais gagné cela.